partager, nous allons encore une fois dénoncer le mensonge du CNRD, parce que c'est ce qu'ils ont fait lorsque le coup d'État est arrivé le 5 septembre pour tromper nos parents de la route Guinée. Ils avaient clairement laissé entendre que le pouvoir a quitté la chambre pour le salon. Je ne sais pas si c'est le salon pour la chambre. Après avoir utilisé toutes les cartouches, ils reviennent encore avec cette formule parce que il n'y a pas eu de conseil de ministre le jeudi parce que Doumbouya s'attendait qu'on lui fasse le compte-rendu du parrainage qu'il avait demandé. Il n'y a pas eu de parrainage du côté de la Moyenne Guinée. Nous n'avons pas d'informations sur le parrainage aussi sur la Guinée forestière, non. Les petits agités se trouvent en haute Guinée chez nous, partagés. En second plan, nous parlons de Ousmane Gawal. Nous allons rappeler tous à Ousmane Gawal parce que il y a un monsieur. Parce que moi, je suis en partance comme ça pour aller suivre mon grand frère chéri Kabakoudou qui fait son spectacle aujourd'hui. Permettez-moi de saluer mon grand frère Nkérin Taranara, que les gens aiment ou pas, c'est mon Tara, Nkarafani. Il y a vraiment sur Lincoln Souma. Bonjour Tarafani. Kérin Taranara, c'est mon grand frère, j'ai tellement envie de voir le monsieur là, très 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 envie de vous le voir et puis causer avec lui, tellement qu'il me plaît. Mariam, comment vas-tu cousine? Siaka Mansari, bonjour, l'ancien, salam alaikum, partagé. Nous allons rappeler aussi, voilà, nous allons rappeler aussi Ousmane Gawal, parce qu'il y a un de ses frères hier, qui m'avait insulté pour un premier temps, mais je pense que le projet de récupérer l'Europe n'a pas marché. Il est revenu hier pour s'excuser après mon retour de la visite de l'élage. Il a voulu me donner des informations. Je lui ai juste dit que je n'en ai pas besoin. Voilà. Pensez sur là, comment vas-tu? Voilà, mon champion penseur. Il y a son oeil. Donc, Adjamarama, salam alaikum tata. Yassine, bonjour mon frère Yassine. Donc, j'ai trouvé une vidéo, voilà, j'ai trouvé une petite vidéo pour Ousmane Gawal. Voilà. Donc, avant que je ne bouge pour aller assister au spectacle de mon grand frère Kabakoudou, parce que je m'en vais déposer ma fille et ma maman et puis continuer. Tidjane, comment vas-tu, mon jeune frère de sang depuis Biskrima d'Ayekta, Tidjane. Chers frères et sœurs, excusez-moi beaucoup, nous avons entendu avant-hier et hier, c'est l'homme Mamadi Doumbouya en personne. Mamadi Doumbouya en personne. Il a tenu une réunion le jeudi nuit et mercredi avec certains responsables qui se dit responsables de la Haute-Guinée. Vous savez, c'est nous qui avons eu raison. C'est nous qui avons eu raison. Parce que ce qui se passe aujourd'hui là, avant que cela ne soit possible, ils ont joué sur les médias. Il fallait d'abord fermer les médias. Si on n'avait pas fermé les médias, vous imaginez aujourd'hui quelle est la réaction de ces médias par rapport aux agissements des artistes et autres. Il fallait fermer Film, il fallait fermer Dioma, il fallait fermer les grandes. Aujourd'hui, même si nous avons eu des bruits, c'est normal. Voilà, les radios là sont c'est un pouvoir. Voilà, les radios privées sont quelque part un grand pouvoir. Vous comprenez? Donc c'est normal qu'on ferme ces radios pour pouvoir étaler maintenant ce nouveau programme. C'est Dieu qui nous a sauvés. Il y a Sako de la société civile. Il y avait Fodike Mangue qui est malheureusement assassiné par Doumbouya et ses frères. Il y a Bilo aussi qui a été assassiné par Doumbouya et ses frères. Donc ces gens-là avaient pris le relais des médias. Mais aujourd'hui, il ne reste que les communicants, les activistes, les vrais. Parce que je voudrais m'adresser quelque part à ces artistes. Vous avez demandé à Madik Sans Frontières, demandé au Tigui, demandé à Corbeya, demandé à toutes ces personnes-là. C'est eux qui ont commencé à faire la mamaya pour le CNRD. Ça n'a pas marché. Voilà, ça c'était avant. Les gens là, c'est vous qui prenez actuellement le relais. Mais vous devez vous renseigner avant, parce que Doumbouya a voyagé sans vous donner niet
Il a refusé de dépiécer de l'argent. Le petit là, il n'est pas un idiot. Nos communications ont payé. Parce que nos communications ont fait savoir à ce petit que ceux qui chantent là, c'est pas à cause de l'argent, sinon pas. Il y a aucun amour dedans. Il y a aucun amour dedans. C'est à cause de l'argent. Maintenant qu'il est parti, regardez-vous. Voilà pourquoi vous sortez pour nous attaquer, pour vous faire semblant de répliquer parce que on est à la base de votre échec. Non, nous ne sommes pas à la base de votre échec. Nous savons. En notre temps là, vous avez chanté Kassori, vous étiez ces Dabaro, vous étiez ces comment on peut ça, c'est tous ces ministres. Vous avez vu le départ de Doumbouya. Est-ce qu'il a salué ces ministres là? Aucun ministre. Il n'a salué aucun ministre. Simplement les officiers supérieurs, quelques officiers supérieurs et puis il est parti. Nous avons vu comment Baouri l'a regardé en souriant. Il a même pas fait attention à Baouri. Il est passé. Vous, les petits ministres, là, vous, surtout les petits ministres peu, là, hein, à qui on a juste recruté pour faire mal à leur ethnie, faire mal. Mais je ne m'adresse pas aux petits forestiers. Regardez les petits forestiers. Ils ne vous calculent même plus. Le forestier le plus important, c'était qui? C'était Gomu. Il fallait tout faire pour récupérer Dadis. Le cas Dadis est réglé. Et puis c'est terminé. Il reste qui maintenant? Il reste comment récupérer la Haute-Guinée. Et nous avons été surpris que le petit même en question, il dit à ses écervelés de représentants de la Haute-Guinée qu'on n'est ni Alpha Condé les barres là. N'est ni Alpha Condé, c'est instruction même Bédine. Alpha Condé, les instructions Bédlam. C'est lui qui nous donne toutes les instructions. C'est Alpha Condé qui nous a demandé, bon. Il y a un seul point qui donne raison à ceux qui ont commencé à démentir ça. Comme en Alpha Condé, nous avons pris la sortie de Eli Kamano pour répondre à ces rumeurs. Nous avons juste surpris ce que Eli avait dit. Job Kadiko, on va dire. Ce que Eli avait dit. Eli avait dit, a laissé entendre devant le monde entier que nous avons fait plus de combien de manifestations. Le même Alpha Condé, je ne suis pas en train de faire ces éloges, hein. Il nous a laissé manifester, non seulement au-delà de ça, Alpha Condé a permis aux médias de nous filmer, il a permis aux télévisions privées de nous filmer, il a permis la diffusion de ces images à l'étranger. Hein? Non, cousine, tu as très bien vu. Donc, c'est Eli, nous avons juste pris ce que Eli a dit, nous avons répondu à ces rumeurs. Nous avons envoyé en Haute-Guinée, nous sommes passés par nos canaux pour informer nos parents de la Haute-Guinée avec un être trop mal au Mossila. Parce qu'ils ont envoyé suffisamment d'argent en Haute-Guinée. Actuellement, là, c'est la famille de Doumbouya, la seule famille de Doumbouya, hein, qui trouve aujourd'hui certaines personnes pour pouvoir faire les diffusions des forces nouvelles et autres là concernant le professeur Alpha Condé. Vous comprenez? Mais ça ne marchera pas. Hier, j'ai fait passer l'homélie d'un imam. Le monde entier a entendu ce que l'imam a dit. Djanfa, je peux faire passer ce que l'imam a dit. Dis ça à la Tambina encore. Aïda est trop ballon. Djanfa, Mandinka est trop ballon. Parce que c'est la Madinalti. Ambe Kalon, Karamen, Agora Karamen, Mandé, Bekalon, Kranta, Bekalon. Bonjour la tata, bonjour, Djanhabi, salam alaikum. Ma tante, c'est Ramatoulaye Kolondjalo, ma tante, chérie, comment vas-tu? Donc, Alkana est tout le malo. M'dise que Mobala Koutoubala Tamila Koutoubala, ayame, malheureusement pour nous, en Kamen, il faut depuis le départ. La Guinée se trouve entre le mal et les sanctions divines, je dis bien les sanctions divines, entre quelqu'un qui triche, parce que Djanfantea, Imam Kofoku, Djanfantea triche, le dit. Donc malheureusement, la Guinée, Doumbouya nous a la terme, que Doumbouya Brabantia, que Djanfantea, Brabant Djanfantea, Kera, Abouan Djanfa, Kera, Abouanfeu, et tout là, allez nous à la terme. C'est-à-dire, Djanfa est tout là, allez-ni, allez, les termes, allez-ni, allez, les dents. Comment est-ce qu'il peut vaincre Dieu? Astaghfirullah, il ne peut pas vaincre Dieu. Malheureusement, nous sommes au milieu de ça. Bonjour, mon grand frère Cheikh Sira. Barry Tchablon, non, frère. Donc,
Je m'en vais comme ça à Washington d'ici pour assister au spectacle de mon grand frère Kabakoudou et Fekani. Il y a mon tonton Sia Bangoura qui est déjà présent. Donc, à Beouya, Worité, ils n'ont pas d'argent. Aïkana, il y a trop. Vous avez vu l'affaire de 5 septembre. Dobrabo a bruit là, quoi. Vous avez vu, ils font plus de bruit, hein. Ils ont pris Mandiane Traoré, ancien RPJS, qui a gagné tout avec le Prostafag, ancien DG. Il a tout gagné au niveau des travaux publics. C'est Mandiane Traoré qui finance les festivités à Siguiri. Mais regardez nos parents à Siguiri. Tout le monde est assis à la maison. Et voilà l'activité des Baïboulou. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? Et qui est très marrant. Alcool et Koudoumbéaba qui est légitime dit. Parce que voilà le mensonge. Voilà le vrai mensonge. Merci beaucoup. Il y a cette soirée. Docteur, comment va-t-il? Bonjour, docteur. Respect à toi. Allons. C'est ce qu'ils ont dit à certaines personnes. Que dès que Doumbouya devient légitime, parce qu'ils ont pris l'exemple de Kagame et Kayrela. Sauf que, je prie le Tout-Puissant Allah, que le système Kagame, c'est que Kagame influe à son peuple là. Au Baké, la Guinée, je vous le jure, si on fait ça à la Guinée, c'est fini pour nous. C'est que nous sommes en train de voir comme ça avec Doumbouya, le départ là. Ça, c'est petit dans ce que Kagame a fait à son peuple. Est-ce que vous comprenez? D'accord, merci beaucoup. Donc, Nyafal Nyana, c'est pour vous rappeler. Salut, Kamara, merci, merci. Mon champion. Oh, hey, for Monday. Thank you, brother. N'oubliez pas. Frère Asil, merci. N'oubliez pas, hein. Parce que demandez, je vous en prie, demandez à vos enfants qui sont allés à l'école. À lui expliquer maintenant le Rwanda. Qu'on vous explique un peu ce qui se passe au Rwanda. S'il vous plaît, un peu. Il y a ce monsieur qui tient tout l'Est du Congo. Je dis tout l'Est du Congo dans la faim. Il n'a pas hésité de bombarder un camp au Congo Kinshasa. Il a bombardé un camp militaire. Alcool et Kagame est devenu légitime. Quand Kagame a été légitime, ils ont pris les photos de certaines rues et autres, la capitale rwandaise qui est là. Demandez à ces gens-là de vous montrer l'intérieur du Rwanda. Parce que quand on parle du pays, merci à Blaye Kourouyal, merci beaucoup. Quand on vous parle, d'un pays, pensez à l'intérieur. Le pays ne se limite pas à la capitale. Mais c'est comme... Parce que, où il faut les prendre trop, ça nous fait très mal. Ça me fait très mal lorsqu'on vous dit que c'est Alpha Condé qui travaille avec eux. Wamba, moi, Mbalama. On dit c'est Alpha... Parce que c'est ce qu'ils ont dit avant-hier. Allez, regardez. Qu'on en cuive. Et puis qu'ils font des comptes rendus à Alpha Condé, s'il vous plaît. Hein? Qui travaille avec Alpha Condé. Que c'est Alpha Condé qui lui a demandé de fermer les médias. Entre Dieu, qu'est-ce qu'il y a dit? On est quelqu'un qui a exemple de Kadalma. Abeouya. Tout est faux. Alpha Condé qui a laissé pendant son temps, pendant sa gouvernance, il laisse les médias filmer, faire tout. L'insulter, il accepte, il encaisse. Et puis il met la pression sur les communicants du RPG. Je ne voudrais pas que quelqu'un réagisse. Laissez les médias là, malgré qu'on attaquait les grandes gueules. Il était contre ça. Le même Alpha Condé peut dire à Doumbé, mais est-ce que quand on vous dit que Doumbé, le président Alpha Condé parle avec Baouri, vous pouvez croire à ça? Le professeur Alpha Condé qui a négocié, hein, qui a signé le contrat avec la Chine devant le monde entier. Le même Alpha Condé peut se lever? Ce sont des questions. Oui, Barry, tu peux intervenir. Barry, tu peux intervenir rapidement si tu veux. J'ai accepté ton invitation. Le même Alpha Condé peut dire, hein, vous aussi, lui peut dire de revoir tous les contrats miniers. Le même Alpha Condé peut les dire encore. Hein? Barry, vas-y, comment vas-tu, Barry? Oui, je vais bien. Bonsoir à tous et à toutes. Merci Benito pour ton combat noble. C'est Dieu qui nous a sauvés que pendant le 5 septembre 2021, si ma mémoire est bonne, qu'on n'a pas exécuté
de Alpha Condé. Oui. Ils allaient nous berner pour le reste de Oui. la vie. Nous sommes dans une main des fausses personnes qui sont venues embobiner toute la population Oui. guinéenne. C'est des voyous qui sont au pouvoir. Moi, la seule chose que je Oui. lance à vous, Benito, lancez un appel contre la France. D'accord. Il faut qu'on se mobilise contre la Oui, France. ça c'est Il vrai. faut que vous vous focalisez parce que vous êtes suivi. Il y a beaucoup de personnes qui vous suivent. Il faut que vous tous vous vous Oui. mobilisez, qu'on lance un appel contre la France, qu'on boycotte, qu'on fasse comme le Burkina, comme au Mali, tous les intérêts de la France, qu'on boycotte ça. Vous allez voir un changement radical concernant ces voyous. Je ne vais pas monopoliser votre débat. Vraiment, c'est la seule chose, la seule carte qui nous manque. Merci. Heureusement, Alpha Condé, c'est Dieu qui nous a sauvés, qui l'a envie. Ils allaient nous dire, non, c'est un topo monté. Quelle est la personne qui va vouloir qu'on l'enlève au pouvoir, qu'on l'humilie? Où vous avez vu une magouille que le CNRD nous a imposée? Exactement. Si Alpha Condé mourait là, on allait tout mettre. Mais ils allaient dire que c'est Alpha Condé qui les a dit de faire le coup d'État. Oui. Voilà, et tout ça, même les Oui. mascarades. Alpha Condé est décédé, non? Les théories continuent à Bambéto, les théories continuent partout. Oui. C'est les voyous là qui Qui tiennent tue les les gens gens? pour salir l'image. Sincèrement, oui. Moi qui vous parle, je n'étais pas allié, je suis pas allié de RPG, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il Oui. faut dire la vérité. D'accord. Heureusement, on Mais a ouvert les yeux, c'est moi, je te pas connais Alpha Condé. depuis, hein, je te connais depuis. Moi, je te connais Voilà. depuis même temps avant les élections. Je te connais depuis. Voilà, c'est Alors. pas Alpha Condé qui tuait les gens, on salissait son pouvoir parce qu'il est parti, il n'est plus là depuis 2021, mais les théories comptent. Il n'y a aucune personne qui veut qu'on l'humilie devant ses enfants comme Alpha Condé. Il ne va jamais accepter ça. C'est pas lui qui a Qu'est-ce que c'est imposé lui ce coup qui d'État. l'a Alpha imposé? Condé. Qui peut accepter d'être humilié comme ça, frère? Qui? Personne au monde, en connaissant Alpha Condé, l'homme qui s'est battu plus de 50 ans, il ne va jamais accepter ça de sortir par la petite porte. Il faut qu'ils arrêtent. Mon frère, toi Voilà. aussi. Hein? Qu'ils arrêtent leur manigance, ça ne marchera plus. Il faut qu'on lance un appel contre le boycott de la France en Guinée et partout dans le monde. Merci. Merci pour votre attention et merci Benito. Que Dieu te garde longtemps pour la Guinée. Amen, amen, On est frère. ensemble. Merci, respect Merci. à toi, mon frère. Merci, merci, Merci. frère. Voilà. Donc, nous avons écouté le frère Thiernot. Moi, je le suivais depuis. Voilà, je le connais très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours demandé qu'on fait un débat. Il a toujours intervenu dans le sens pour la Guinée. Merci beaucoup, frère. Donc, frère Maître Koumalaté, celui que vous voyez comme ça, là. Ah, j'ai pris une autre. Allô? Oh. Excusez, excusez, excusez. Je vais. Kaba diplomate, on va être mon champion, moi. Aïdine. Donc, on bat des malous. Maître Koumalaté, RPGiste, il n'est pas RPGiste. Mais il est en train juste, il a résumé le mensonge. Parce qu'il a quand même voté, Francero. Il a été très bien clair. À coller, si Alpha Condé mourait, Alpha Condé, tu ne pourras 5 septembre, même Bête Folabi, Bête Ndavoko. On allait dire que c'est Alpha Condé qui a organisé ça là. Et puis il est parti. Aïka, malheureusement, il a fait que malheureusement, quand il était avec Akekodine de l'Ebora, Aïka, les Fola. Tout ce qui allait se dire aujourd'hui, on allait dire que c'est vrai. On allait tout faire défendre Alpha Condé, mais Mortunda, mon frère Benito, revenez à la raison. Revenez à la raison. Alpha Condé est mort, c'est cela, Aïtoundou au fond. Mais lui, il est vivant, et puis, vous avez vu aujourd'hui, même Béfolaté, même Koumalaté, il persistait, mais il a toujours accepté le débat contradictoire, le frère Thiernot. Toujours, je le connais depuis. Depuis. Parce que, à quoi le combat, les théories, parce que nous savons ce qui s'est passé, qui était sur la route du prince. Même quand la FACO demandait des comptes rendus, ils ont tout fait pour tuer, pour salir le monsieur. Ils ont tout mis sur lui. Ils ont tout mis sur lui. Savez pourquoi on se lève, quand elle a dans le dialogue, vient aux États-Unis, on se lève pour aller le saluer. Ça fait très mal à des gens limités. Ça fait très mal aux gens qui sont limités à l'anglais, ils sont extrêmement limités. Mais est-ce que quand vous regardez, est-ce que nous les calculons? Personne ne les calcule. Personne, moi, je m'en vais à Washington comme ça. Après, je vais faire un virage pour aller saluer. Et là, parce qu'il a, il a un, il a rendez-vous avec moi. Je m'a programmé aujourd'hui pour un peu discuter. Oui, c'est normal. Avant tout, je suis son fils par chose. Mais
Parce que ce qui nous fait mal, depuis ce matin, on était dans un débat WhatsApp. Moi, je me suis réveillé. Un débat WhatsApp, mon animal, c'est lui-même Doumbé qui le dit. Qu'on allait en Haute-Guinée, expliquer à nos parents que, c'est Alpha Condé qui les ordonne. C'est Alpha Condé qui les ordonne de changer tous les contrats miniers. C'est Alpha Condé qui les a dit d'envoyer le bateau et puis ramener le bateau. Le bateau est revenu là. Est-ce que la solution est là? Mais vous aussi, allez en cul, la caille ma frère. Ou bien les agissements de Baoud là. Hein? Baoud, il m'a focalisé. Ousmane Gawala. C'est Alpha Condé qui le dit, ça. Si c'est Alpha Condé qui les contrôle, Alpha Condé peut ordonner la nomination de Baoud comme chef du gouvernement. Il aurait choisi quelqu'un de son parti. Il n'est plus au pouvoir. Celui qui a organisé le coup d'État, si c'est lui qui a organisé l'organisateur du coup d'État là, il allait dire, bon, choisissez quelqu'un de mon parti politique. Pourquoi c'est Alpha Condé qui va prendre Baoud? Hein? Ils vous ont retiré vos activités en Haute-Guinée. Vous avez écouté l'ami de l'opérateur qui a été assassiné par les hommes de Baoud. Excusez-moi, de Bala Samoura. D'accord, patriotisme. Hein? Qui a tué l'opérateur économique, s'il vous plaît? C'est ce que j'ai dit hier. Arrêtez de me distraire. Qui a abattu cet opérateur économique? Qui? Nous connaissons sa fortune. On connaît ses activités. Le gars a refusé parce qu'on cible les opérateurs économiques. On dit, bon, actuellement, lui, là, voilà son chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous invitez les opérateurs économiques pour vous renseigner sur leur chiffre d'affaires. Et puis, vous les abattez. Il n'y a pas, hein? Regardez ce pays, montrez-moi la sécurité. Où est la sécurité? Il n'y a pas de sécurité. Allez, ma vraie alpha qu'on était là, même bicré. Est-ce que sécurité dit, Heidi? Celui qui... Donc, même Béfra, il y en a Béouya, tout est faux. Ne les écoutez pas. Hein. À quoi les parrains, ils cherchent les vrais parrains. Au fait, ils ne cherchent pas les parrains en Haute-Guinée. Hein? Ils ne cherchent pas un parrain. Parce que ce qu'ils cherchent aujourd'hui, allez, affaire-les, les anciens du RPG, c'est-à-dire, ou bien le parti politique RPG a cancer, abandonne le poste à Fakonde. Lui-même, le président du parti, ou le Bansan Loyala, ils veulent, parce qu'aujourd'hui, il y a une liste de plus de 30 personnes. Ils ont fait une liste de 30 personnes. C'est ce qu'on vous montre en Haute-Guinée, que voilà les ministres, voilà les futurs préfets, voilà tel. Et ça, ils ont pris le nom de vos enfants pour faire croire qu'ils seront préfets ou gouverneurs dans le futur. C'est une manière de vous tromper. Aujourd'hui, tu peux être gouverneur, ministre dans ce pays-là, mais tu n'as rien à gagner. Regarde, qui gagne? Ce sont les parents de Doumbouya, sa maman, son jeune frère, sa jeune sœur, ou bien ses frères et sa sœur, ou les Ouris Rabi. Même Anna, sa maman, aujourd'hui, est devenue une dame qui envoie les gens à la Mecque. Demandez à la Banque centrale ou au Trésor de vous montrer les traces de l'argent, les dépôts de sa maman à la Banque centrale. Ça n'existe nulle part. Sa maman envoie les gens à la Mecque. Les recettes, normalement, les taxes et autres, là, ça, c'est pour l'État. Demandez si elle dépose. Elle ne dépose rien. C'est l'épouse du ministre de la Défense. Discussion tarot. Tu n'oses pas. C'est l'épouse de Idi Amin, l'homme qui gère tout dans ce pays. Alia Lomfalanko, la première trahison, c'est le même 5 septembre. Parce que lorsque Namori est l'actionnaire, le facilitateur, allez le capéquer. Hein? Allez le capéquer. Parce qu'il était prévu que Namori, parce que pourquoi Namori a accepté? Ou le capéquer, n'y a pas de Namori. Et quand on va faire débat de ro, quand on vous dit que Namori n'est pas au courant du coup, ça, tout est faux. C'est un frère qui me l'a dit. Oh, frère Abdelman Balde, ok, je comprends. Comment vas-tu, grand frère? Hein? Vous comprenez? Nous avons même une information qui circule. Je peux vous lire, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça ce matin. Je peux vous le lire. Vous comprenez? Donc, Alain, c'est Namori, c'est là-bas, c'est Namori là, Namori. Si Namori n'était pas sûr, parce qu'on m'a fait croire on m'a fait comprendre que Doumbouya n'est que l'accessoire du coup d'État. L'accessoire, parce qu'il avait les militaires. Mais celui qui devait être choisi par la France, pour être chef de la junte, choisi par la France, coordonné par Idi Amin,
parce que c'est la France qui avait choisi Namori. C'est Namori qui a été choisi pour être chef de la junte. Tout le changement est venu à partir des forces spéciales même, les éléments même, parce qu'il n'était pas prévu qu'il y ait beaucoup de morts. Oui, c'était pas dans le programme qu'il y ait beaucoup de morts. C'est l'effet surprise qui a changé tout. C'est les gens-là qui ont fait quoi à Doumbia, ça ne peut pas marcher. Ni était mensé à quoi de data. On ne peut pas envoyer nos éléments à la mort et puis laisser le pouvoir. Même les tournées, Namori pensait toujours que Doumbia allait le remettre le pouvoir. Mais c'est lui, Namori. C'est Namori qui a. Même le voyage du président de la République. C'est Namori avec le médecin du président qui ont fait fuiter l'information que le président a le cancer. Tout. C'est le même Namori. Sous couvert de la France, tout est organisé par la France. Donc, avec la fousse là, Alpha Condé m'a aussi l'or. Tout ce qu'il est en train de faire, il serait le seul responsable. Ou bien c'est Alpha Condé qui l'a dit d'assassiner Foni Kémangé. Combien de fois Foni Kémangé, les BIL, le FNDC, a tenu tête à Alpha Condé dans ce pays-là? Hein? La vidéo est bloquée. Mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Mettez les cœurs, ils ont signalé la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, la vidéo est signalée. Mettez les cœurs. Ou bien. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà ce qu'on m'envoie ce matin. Bonjour Benito Urgent. La femme de Mamadi Doumbouya est opposée à sa candidature. Et cela traduit directement la position de la France. L'émission Kibaro confirme cette information car dans une émission diffusée à la RTG, les journalistes ont dénoncé l'attitude de ces mouvements qui trompent le chef. Écoutez très bien, l'émission Kibaro confirme cette information car dans une émission diffusée à la RTG, les journalistes ont dénoncé l'attitude de ces mouvements qui trompe le chef dans ce pays-là. Et puis il continue, il dit selon la même source, Lauriane Doumbouya dit s'il s'entête qu'elle va divorcer et qu'on verra. Et c'est logique car cette femme n'a rien à perdre avec toute cette fortune qu'elle a amassée, elle peut vivre aisément avec ses enfants. Ça, c'est une information qu'elle a reçue d'un militaire, je me limite là, je ne dirais pas son unité. Et l'émission Kibaro, je suis allé vérifier effectivement, ils ont dénoncé les agissements de ces petits artistes et autres, artistes escervelés et autres, les bras cassés et autres, tout ça là. Donc, on falou. Ayake, allez, n'écoutez pas. Même en Haute-Guinée, on dit qu'à Falniana, en Haute-Guinée, pour vous dire, Alpha Condé n'a jamais été d'accord avec la France. Mettez les cœurs, merci Yannick, mettez les cœurs, je signale la vidéo. Alpha Condé n'a jamais été d'accord avec la France. La seule chose qu'on en veut à Alpha Condé, c'est parce que simplement ce monsieur a été très clair. Il dit, je suis arrivé au pouvoir, nous allons continuer. Moi, mon projet, mon programme, c'est de diversifier les partenaires de ce pays. Voilà, c'est de diversifier les partenaires de ce pays. L'expérience l'a toujours payé lorsque vous acceptez de diversifier vos partenaires. Nous n'allons plus continuer à rester dans la tradition, non, c'est la France. Les investisseurs doivent être la France, c'est la France qui doit choisir les investisseurs. Non, voilà, c'est tout. Voilà pourquoi Alpha Condé est parti vers le Brésil, il est parti par-ci, par-là, il a collaboré avec tout le monde, la Turquie. Et le sommet qui se passe en Chine, là, demandez à tout le monde qui est à l'initiative, qui a encouragé les gens à aller à ce sommet-là, c'est Alpha Condé. C'est lui-même qui a été à la base. Voilà. Permettez-moi de terminer en rappelant ce monsieur-là. Voilà. Écoutons-le, s'il vous plaît. Écoutons-le, une minute. Voilà. Écoutez ce monsieur. Je voulais rappeler son frère. Contre frère à venir dans la fiale, mais en Nîmes. Les dictateurs, pour les vaincre, il y a trois choses.
Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ce qui tire sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième. Ousmane Gawal, aujourd'hui, tu travailles pour ces dictateurs-là, Ousmane Gawal. Nous, autour, il y a femme. Et lorsque tu tenais ce discours-là, c'est trouvé derrière toi, son président. Et là, Seldar N'Diallo était juste assis derrière toi. C'est juste pour te rappeler, petit. Sa femme, il y a une famille, sa femme. C'est toi qui le dis, hein, les dictateurs. Tu l'as bien dit, pour combattre la dictature. Nous allons trouver comme ça des petites vidéos comme ça pour te rappeler. Tu as vu, ton mouvement est gâté. C'est ton petit qui me l'a dit. Que tout ce que vous avez initié en France là, ils ont ordonné de suspendre. Je ne sais pas qui a ordonné de suspendre. Toi-même, tu es étonné qu'on te dise, c'est-à-dire mouvement qu'on crée là, en Tigré, et ordonnement, il y a arrêt. Hein? C'est-à-dire le mouvement que toi-même tu as créé, c'est là que là, on dit de suspendre. Parce que c'est-à-dire que tu n'as pas compris. Autour de Douala, si tu veux que ton mouvement continue là, ce que tu dois faire, il faut proposer des dépenses. Tu envoies, c'est-à-dire tu proposes des dépenses, tu cherches un sou couvert dans la famille de Doumbouya pour pouvoir décaisser l'argent au corade. Et puis, mais toi, tout ce que tu montes là, c'est pour ton serag là et pour les cercles d'amis de l'église. C'est tout. Toi-même, c'est-à-dire ce qui me plaît, tu as été surpris qu'on t'ordonne de suspendre. Tu as vu, selon que ça fait assez de... Non, qu'on l'a amené, non. Dénoncer les malhonnêtes. Moi, je t'ai dit que je te mets au même prix d'égalité que Mamadi Doumbouya. Doumbouya a trahi son bienfaiteur, le professeur Fakonde. Tu as trahi ton bienfaiteur et la Seda Lengialo. C'est tout. C'est comme ça. Donc, faut ta tête. Donc, faut ta nédi. Donc, faut ta comportement. Donc, t'as dit, on faut ta faux, bête palais. Voilà. La différence qui est encore le démarre de nous rapide, quand on le faut ni. C'est la différence qu'il y a entre vous deux. C'est tout. Donc, mon ami, tous ceux qui sont allés avec ces règles-là, vous allez revenir. Mais moi, je demande à l'IFDG de ne plus accepter de vous recevoir. C'est tout. J'ai même dit ça à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un de. Il est dans le mouvement de l'IFDG en France. J'ai été très clair. Arturo, c'est comme moi. C'est tout. Excusez-moi le terme. Hein. Arturo, c'est comme moi. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Un traître égale un traître. Voilà. Si attendez, je vais retrouver un peu, là, s'il vous permettez, moi, une dernière fois. Pardon. Moi, je m'en vais. Je suis un peu en retard, quoi. Nous allons, dans un direct après, nous allons parler de ça, de la femme là. Nous allons demander à Doumbé où se trouve sa deuxième épouse là. Il paraît qu'elle a été assassinée. Voilà. Vous savez, c'est avec la femme là, elle a fait la fête de Tabaski et est partie faire le coup d'État. Voilà. La femme là, attendez. Ça, c'est sa deuxième épouse. Voilà. C'est avec celle-là qu'ils ont fait. C'est-à-dire, après cette fête de Tabaski, il est parti faire le coup d'État. Celle-là, là, on dit que c'est sa femme, Lauriane Bassi, c'est lui qui, entre les deux, c'est pas qui a éliminé la femme, là. Bon, je suis en train d'enquêter. Voilà. Et la voici ici. Voilà, c'est sa deuxième épouse, ça. Regardez-la très bien.
Voilà. Nous allons parler de ça après Washington. Voilà. Donc, permettez-moi, je vais vous montrer ça rapidement. Excusez-moi rapidement. Et alors, où j'ai mis ça? Nissa Mindé, Odie. Moi aussi. C'est plutôt incroyable. C'est quoi? Où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? D'accord, on laisse tomber. Sinon, je voulais vous montrer ça. Non, Gogong, encore le démarque de nos fandis. Ah! Et gars, nos fotani, buradoni. Goni, nos fotani, buradoni, ni, ni fota. Et mon frère, si tu ne crois pas, je peux. Appelle-moi, je vais t'envoyer les photos de son collège. Tu vas voir ça. Voilà. Si tu veux, tu m'envoies, je vais te montrer la photo de son collège. Tu vas apprécier. Je ne sais pas. Non, non. Malheureusement, malheureusement, je ne sais pas où j'ai mis ça hier. Oh. D'accord. Merci, portez-vous bien. Je voulais juste vous montrer ça, mais je n'arrive pas. Il y a tellement de dossiers. Ma colonne dit ça, Nassar Mindé. Ma colonne. Ou bien, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça, je crois. Bien. Voilà. Attendez, j'ai retrouvé. Excusez-moi, j'ai retrouvé. Alakananto Galona, Alakananto Janfaouna. Bikuma abe janfande kande. Biwalanda abe janfande kan. Alako kurana fanchaman fe inna allaha la yuhibbul khainin. Kwalipi janfanti ufe. Anga dwawke alakananto janfana. Kamina. Janfantu toroma. Donfolo ula. Ankumana alate kini kela ufe. Ati dansa waba ufe almulotadin. Ate yere bonya ba o fana fe ate kafiru fe ate tonyani kela o fana fe right ye duruna ye worona o ye ambe mi na bi al kha'inin jamfantiu right tonyani ani jamfan o be nyon soro yoro changana wallahi nga tonyani wala nga talelo o babu kabo katame jamfan ka pincha ma medo tonyani kono ka mo tonyo Janfanya fune tonyani babu doye. Right. Nga ala ya leta toma fanchama fe. Right. Ale temi na yoro jume ka kiren kiren mkosa anku donka bonyo wana. Daniye kofe. Daniye kofe oji gila tige. Eh. Daniye kofe o fango nyonya. Benkam kofe ko o walaka. Kasuyi tunyon ta kalama. Daniya dalen kofe jika kok eka dinke. Andale do ila walma amini jumadon. Eka na bo harama di ungalaka korofe. Ode janfanti. Janfanti wallahi. Merci beaucoup frère pour les étoiles. Merci frère. Merci beaucoup pour les étoiles. Voilà. Ça je l'ai fait passer hier, c'est pour reprendre. Voilà. Vous comprenez. Djamfanté. Avant que Djamfanté va aller. C'est-à-dire, il dit que la trahison, il parle de la trahison. J'ai expliqué hier. Mais Tognoli, c'est-à-dire accusation, c'est-à-dire la trahison fait partie de l'accusation. La trahison fait partie. Il dit quelqu'un qui accuse. Parce que quand tu fais du mal à ton bienfaiteur, tu l'as accusé pour rien du tout. Quelqu'un qui t'a fait confiance. Il ne savait pas ça de ton comportement. C'est-à-dire qu'il ignore tout de ton comportement. Il te fait confiance. Et puis tu le trompes. Et tu le trahis. Voilà. La suite là-bas, il dit donc, quand tu finis la trahison, il va rester entre toi et Dieu. Mais entre Dieu et toi là, ton créateur là, personne n'a besoin de dire qui va gagner. Alors c'est dans ça la Guinée se trouve. Alors, wassalam.
Moi, je m'en vais à Washington. Portez-vous bien, merci, et on se reprend le soir, Inch'Allah. Ouais.